Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc un nouveau vlog pour nous en fin de semaine. On est le samedi le 2 juillet, donc il est présentement 10h45. Je commence tard, mais c'est ça. Le matin, ça, comme je vous explique toujours, ça roule trop vite pour moi pour dire que je commence à parler au travers des enfants. Donc ce matin, ce que j'ai fait, je suis en train de juste plier du linge dehors, bien relax, pendant que mes enfants jouent. Donc on a Thomas en avant de moi et Eva un peu plus loin. Ah, tu veux présenter ta mousse? Eva est juste ici. Tu dis-tu bonjour? Non. Pas bonjour. Pas bonjour. Il n'y a pas de problème. C'est ça, ce matin, c'est un beau matin. Je savais pas si je vaguais, mais finalement, ce qui m'a motivée, c'est que j'ai enfin atteint les 1000 abonnés. Yay! Merci de me suivre. Je suis vraiment contente. Et je pense que quand on demande notre chaîne YouTube, on dirait que le 1000 abonnés, c'est comme un step de comme dire « Ah, ok, il y a 1000 abonnés qui suit ma chaîne, c'est le fun. » Puis, c'est ça, je vois que je fais pas ça pour rien. Je pense que j'ai que des bons commentaires. Puis, je suis vraiment contente d'avoir recommencé à faire plus de vlogs. Et comme vous savez, mon année a été très chamboulée, très occupée. L'ouverture de mon salon, le décès de mon chien, l'arrivée de Thomas. Donc, tu sais, il a fallu que je m'adapte beaucoup à des situations. Donc, j'avais besoin des fois de plus ma bulle, plus me recentrer sur ma famille, mon travail, je le répète toujours, mais c'est vraiment ça qui fait que je trouve l'équilibre un peu dans tout ça. Mais YouTube, pour moi, j'arrêterai pas. Mais si je prends des pauses, sachez que c'est juste parce que j'en ai besoin, pas que, tu sais, je vous lâcherai pas comme ça, puis sans vous rien vous dire. Mais là, je suis sur une bonne lancée, donc je recommence vraiment à plus filmer, avoir plus de temps de montage. Ça va mieux, j'ai une belle routine avec les enfants, fait que je suis capable de trouver mon équilibre là-dedans. Fait que je voulais vous dire merci de me suivre, merci pour vos bons commentaires, puis merci d'être là, puis je vous apprécie vraiment, même si c'est virtuellement, mais on développe vraiment des liens forts, on dirait, avec nos abonnés ou d'autres créatrices YouTube. Fait que merci encore d'être là. Puis je voulais remercier aussi Van, donc Vanessa, Van X-Rose ici sur YouTube. Tes mots, ils étaient tellement gentils pour vrai sur ton dernier vidéo. Je l'apprécie vraiment, je vois que c'est authentique. Puis je suis vraiment, vraiment contente. J'espère qu'un jour on va pouvoir se rencontrer parce que c'est sûr qu'elle est plus vers Montréal. Moi, je suis des Appalaches, peut-être Fort Wayne, donc je suis plus en campagne. Fait qu'on est un peu loin, donc c'est dur de dire qu'un jour la vie va faire qu'on va se rencontrer, mais j'apprécierais vraiment beaucoup parce que c'est ça, c'est une personne qui me rejoint beaucoup et on vit la même réalité comme elle l'a dit dans son vidéo. On est les deux des enfants de la même âge, donc on se comprend là-dedans et on se comprend dans toutes les passes qu'ils vivent. Puis voilà, donc merci encore pour tes mots puis pour ton support, je l'apprécie vraiment beaucoup. Donc sur ces belles petites paroles, je vais vous apporter avec moi ce week-end. Là, ce matin, mon chum est allé jouer un 18 au golf, donc il revient pas avant 2-3 heures, fait que je suis seule au mom. Mais après-midi, quoi? Ouais, t'as plein de mousse. Oui, mais tu peux t'essuyer. Maman t'avait sorti une serviette. Va t'essuyer. C'est ça. Dans le fond. Ah, oh, tu veux encore de la mousse? Ok, ça sera pas long. Maman finit de parler, puis après j'y vais. Après-midi, on va chez mon amie. Elle a une piscine. Fait qu'on va se faire un genre de beach party piscine avec les enfants. En attendant que les gars viennent de jouer du golf. Puis après, on va souper là, ben relax. Fait que ça va être ça. Puis demain, une petite journée en famille. Je sais pas, on n'a pas rien de prévu là. On va voir. Je sais pas trop là ce qu'on va faire. Je vais en parler avec Matt. Puis c'est ça, je vais peut-être vous vlogger lundi aussi pour faire plus de contenu. Parce qu'aujourd'hui, je pense pas vous parler beaucoup là. Comme on va partir après-midi à la piscine. Quoi? Encore de la mousse? Ça sera pas lent. Fait que je vous reviens, je vais aller mettre de la mousse à ma fille. Ça sera bon. Il est rendu presque 2 heures, je vous parle. Je ne vous ai pas reparlé tantôt.
Dans le fond, là, je suis en train de préparer les sacs pour aller chez mon ami. Donc, j'ai les deux sacs ici. Donc, lui à Eva et lui à Tom. Dans le fond, dans un, j'ai mis les serviettes de piscine. Je vais mettre les maillots. Il y a les linges chauds comme du linge de rechange au cas qu'il arrive un incident, des pyjamas et tout ça. Ici, j'ai mis comme tout ce qui est bouteille d'eau, biberon, du lait, assiette, puis des bavettes, puis les couches. Fait qu'il va y avoir un sac distinct pour chaque chose. Fait que là, il reste moi à regarder si j'ai un maillot. Je suis pas sûre que j'ai un maillot qui me fait encore, mais je vais essayer de trouver quelque chose. Une combinaison de quelque chose qu'il préfère. Popper. Fait que 2 ans de maternité, ça fait 2 ans que j'ai pas acheté de maillot. Ah, des babs. Fait que, ouais. Ah, non, j'ai mon haut. Puis je sais qu'il me va bien. Il me reste juste à trouver mon bas. Ok, je pense que j'ai quoi. Bon, excusez. J'ai trouvé un maillot finalement. Ça va être correct. Regardez, je voulais vous montrer l'achat que j'ai fait l'autre fois parce que je vais voir le Combs le 8 juillet au FEC. Regardez ce que je me suis acheté. Oh my god, ils sont belles. Qu'est-ce que c'est? Ils sont genre tellement belles. Fait que je vais aller au FEC avec mes belles bottes de cowboy. Très excitée de ça. Ils ont coûté 100$, c'est quand même pas si mal au Simons. Fait que si jamais vous en voulez, pis c'est une belle alternative aux bottes de l'intervalle qui sont 300$. Fait qu'un petit peu moins cher, puis ça va bien faire. C'est ça, je m'en vais voir le Combs vendredi prochain qui est le 8 juillet. Et on a acheté des passes VIP or. Fait qu'on va être à l'avant-scène, moi puis mon chum puis des amis. On va capoter, ça va être vraiment hot. Je pense pas vlogger parce que ça va vraiment défiler cette fin de semaine-là. Mais vous abonnerez à mon Instagram si c'est pas fait parce que c'est sûr que je vais faire plein de stories. Je vous le dis tout de suite. Je vais tellement capoter là. Fait que c'est ça. Fait que ça fait partie de mon look. J'ai tout prévu un look pour le Combs. Fait que ça fait partie de. Donc je voulais vous ajouter ça là. Je vais ramasser ma chambre parce que j'ai pas fait mon lit. M'en faire mon lit, ça va faire du bien, puis on se recharge après. Je vous parle d'un produit vite parce que je vais l'apporter à la piscine chez mon ami. C'est un nouveau sérum qu'on a reçu à la suite et je sais pas si ça allait. Il y a full lumière. C'est le Théo Sando sans parler. Je vais vous le déposer. Je vais déposer ma caméra, ça va aller. Hey, je suis vraiment cernée aujourd'hui, my god. Donc, c'est le Théo 112 comme ça. Je vais essayer de zoomer. Donc, c'est un sérum au sel de mer. Ce qu'il vient faire, dans le fond, c'est vraiment donner une texture beach wave aux cheveux. Mais c'est vraiment comme un style de sérum. Fait qu'il fait pas l'effet crunchy que tous les autres produits au sel de mer, il y avait, là, tu passais tes cheveux, là, puis ça déshydratait beaucoup le cheveu. Ça faisait un beau wave, mais c'était hyper déshydraté. Donc ça l'hydrate en même temps. Ça sent juste comme l'été. Vous n'avez pas le choix, ce produit-là, tout le monde doit l'avoir si vous voulez. Exemple, vous sortez, vous allez à la piscine, puis vous mouillez vos cheveux, vous mettez ça dedans, vous les laissez sécher à l'air libre. Puis vos cheveux sont coiffés. Moi, dans le fond, j'ai juste mis un petit peu de fer dedans. Puis c'est ça. Je fais sécher mes cheveux avec ce produit-là à cette heure au naturel. Ça fait super beau. Ça fait vraiment été. Fait que je vous le conseille vraiment. C'est de Théo 112. Puis il est disponible sur le site La Suite si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur ce produit-là. Donc je voulais vous le partager comme ça. La gang! On est rendu lundi, il est 9h20, je vous ai pas parlé hier parce que, je vais être bien honnête, j'étais dans ma semaine et boubou, j'étais vraiment pas de bonne humeur hier, j'étais fatiguée, je dormais beaucoup, j'ai pas fait grand chose non plus parce que j'étais frustrée de la vie on dirait, ça arrive une fois par mois, ça fait du bien,
Fait que ça me tentait pas plus de vlogger, j'avais rien à dire, j'étais juste comme trop dans ma tête, trop dans ma bulle là. Fait que j'ai décidé de skipper une journée de vlog et de me reprendre aujourd'hui. Donc dans le fond, en ce moment, je m'en vais au CrossFit, prise 40 000 pour essayer de m'entraîner pour de vrai. Mais là, je pense que ça va être la bonne. Mon chum aussi, il a dit, là, je feel que ça va être la bonne, vu que les enfants sont à garderie. J'ai moins la tête un peu partout. Tu sais, j'apporte pas Thomas avec moi. Fait que ça devrait bien aller. Puis là, je vais vraiment au cours. J'ai plus au open comme j'allais. Fait qu'il va y avoir un coach, comme pour me regarder faire mes mouvements, puis tout. Fait que ça va aller comme mieux, là. Ça va être une reprise progressive. Je me suis inscrite deux fois cette semaine. Sauf si je suis capable, j'aimerais être capable d'y aller trois fois. Si mon horaire me le permet, je vais le faire. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis en direction du CrossFit. C'est vraiment pas loin de la garderie, fait que c'est parfait. Mais ouais, j'aimerais vraiment me remettre en forme le plus possible, avoir de l'énergie. Tu sais, là, je fais juste travailler puis m'occuper des enfants. Fait que il me manque un petit quelque chose dans ma vie. Et le CrossFit, j'ai toujours aimé ça. Comme je dis, je l'ai déjà dit. J'en ai fait pendant 5 ans avant que je tombe enceinte. Il me semble que c'est 22, 23, 24, 25, 26. À peu près 4 ans. J'en ai fait 4 ans intenses. Puis, avec le COVID, j'ai essayé d'en faire un peu, mais ça n'a pas vraiment marché. Puis là, je reprends. Fait que, tu sais, ça va faire 6 ans au total que je t'inscris au CrossFit. Fait que c'est un sport que j'aime. Je sais que c'est pas pour tout le monde, mais moi, j'aime ça quand c'est intense et bien fait. Fait que voilà, fait que je recommence en ce lundi matin, bien crinquée. Et ensuite, planning, je m'en vais. Voyons, j'ai pas mes mots. Je vais retourner chez nous, dans le fond, prendre ma douche, faire un peu le ménage que les enfants ont défait à matin. Puis, je vais à midi, je crois que c'est à midi, il faut juste genre vérifier l'heure. J'ai une représentante qui vient me parler de sa gamme de produits, fait que faut que j'aille là. Puis, je suis vraiment d'avance. J'écoute, j'ai tout le temps. Ouais, non, je vais y aller avec Eva. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est ça. J'ai une représentante qui vient à midi, puis je pense qu'à midi 45, mais je suis vraiment pas sûre de mes heures, là. Falloir je check, là. Je suis vraiment pas sûre. En tout cas, bref, je fais mon Celluskin, donc c'est mon rendez-vous à moi. Fait que c'est ça que je m'en vais faire. Donner le cours, fait que c'est ça. Puis après, je m'en vais. C'est ça. Après, je m'en vais à mon rendez-vous de Celluskin, comme je disais. Fait que je travaille mes hanches parce que j'ai comme, avec la grossesse, fait vraiment un amas graisseux autour de comme mon fessier, si on veut. C'est bien dit, hein? Fait que c'est ça, fait que je travaille ça avec la machine. Fait que si j'y pense, je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait, dans le fond, la sensation. Excusez. Mais j'aime vraiment le principe de faire j'aime vraiment le Celluskin pour défaire les amas graisseux qui sont pris soit à cause de la grossesse ou peu importe une prise de poids trop vite ou ça travaille la cellulite, mais ça travaille vraiment le gras en profondeur. Fait que je fais ça une fois à la semaine avec ma collègue. Ça fait vraiment du bien. Et moi, mon ventre de grossesse, j'avais la misère à le perdre. Puis comme j'étais allée faire deux séances de Celluskin voilà 2 mois, puis mon ventre là, il a juste parti là, c'est fou là comment que ça l'a aidé. Fait que si vous en avez dans votre région
trouvez-vous une technicienne? Je sais que c'est quand même dispendieux pour une séance. Ça tourne autour de 150 à 200 $ la séance. Mais vous n'avez besoin de peut-être 2 à 3. Et je vous le dis, là, votre corps va drainer le reste. Ça fonctionne vraiment. Fait que je vous le conseille vraiment. Si vous êtes en questionnement du pourquoi ça bouge pas non plus sur votre corps, puis vous entraînez, mais vous voulez un boost, c'est le boost parfait. Puis ça traite la cellulite en même temps. Fait que là, je vais arrêter de vous parler. Je vais scroller un peu mes réseaux sociaux parce que je suis 15 minutes d'avance. Vu que c'est mon premier cours, je veux pas être too much non plus d'avance. Fait que c'est ça. Fait que je vais arrêter de vous parler, puis je vais travailler un peu sur mes réseaux. Excusez. Puis je vous reparle après le crossfit, voir comment ça a bien été. Bon, je viens de terminer de manger. Puis là, j'étais dans ma salle de lavage, checker ce que j'étais en train de faire. Hier, je ramassais un peu comme tout ce que j'avais dans mes armoires, parce que on accumule des affaires dans une salle de lavage. Puis là, j'ai catché que l'autre fois, j'avais acheté ça sur Amazon. Ah, oh, j'ai acheté un bocal de même. Puis j'ai vu, je vais manquer de batterie. J'ai vu sur, je vais faire ça vite. Sur un reel que les filles mettaient leur détergent là-dedans. Ça fait full beau, puis ça prend bien moins de place. Fait que là, je vais manquer de batterie. Fait que je vais le faire et je vous montre le résultat après. Bon, je vous le montre très rapidement parce que je viens de finir. Et j'ai fait un méga dégât. Dans le fond, ici, j'ai tout renversé mon savon à lessive. Puis il a coulé tout sur le mur. On voit encore qu'il est lisse, là. Fait que je ramasse avec de l'eau. Mais c'est pas parfait, là. Il en reste, mais en tout cas. Là, je suis pressée, fait que j'ai pas trop le temps de regarder ça. Fait que je vais vous montrer. Ben, c'est pas exceptionnel. Mais c'est ça que ça donne. Fait que là, je vérifie qu'il coule pas. Il coule un peu. Fait qu'il va falloir que je mette... Ah ouais, je l'ai mal scellé. Ah, c'est de la cochonnerie, ces affaires-là, des fois. Mais, ouais, il est mal scellé, là. Je sais pas trop, là. Je l'ai mal amanché. Mais je vais mettre un scotch towel, puis ça va être correct. Fait que ici, j'ai comme mes potes que je veux mettre un beau pot. Et là, je veux tout mettre ça dans des pots de même, mais éventuellement, là, on s'entend, c'est une trentaine de dollars, fait que j'achèterai pas one shot. Puis là, ça va être comme l'over, là. Fait que ça va être beaucoup plus facile. Là, je vais mettre un... Ça n'a pas de sens, dans le fond, ça marche pas. En tout cas, je vais arranger ça ce soir. Fait que c'est ça que ça donne. Je vais plus aimer ça. J'aime ça quand c'est bien organisé puis que je vois mes affaires. T'sais, je vais vraiment voir quand il finit. Puis c'est ça. Fait que c'est ça pour ça. Là, je vais être en retard à mon rendez-vous. Fait que je me dépêche. À tantôt. Me voyez-vous bien? Ça va être jaune un peu, mais je pense que ça va être mieux que si je mets pas la lumière. Fait qu'il est 5h, je suis revenue du Walmart et de chercher les enfants. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté vite, là. J'ai pas acheté grand chose, mais ça a coûté cher. Fait que une grosse puff de nourriture à oiseaux. Parce qu'on a une petite mangeoire en arrière, comme vous avez vu dans mon dernier clip. Fait que Eva capote de voir les oiseaux manger dans ma joie. Fait que j'avais plus de nourriture pour eux. Après ça, j'ai acheté ça, je le dirais pas, en gros format. J'ai acheté de la mélatonine comme ça. Fait que ma collègue a dit qu'elle utilise. Qu'elle utilise ça pour aider à endormir son bébé. Son bébé. Papa a tout ensemble. Son enfant. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Fait que c'est ça. Je vais l'essayer parce qu'Eva ne dort plus. Elle s'endort vers 9h, 20h, des fois 10h. Ça ne finit plus, fait qu'on a une petite dose de mélatonine. C'est naturel en passant, il n'y a pas de danger. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es frais? Tu manges plus? On va l'avoir. Fait que c'est ça. À petite dose, je me dis que c'est pas super. J'ai acheté une tablette Crayola comme ça de. C'est.
manger. Bon, je vous reviens. Bon, prise 2. Je vais continuer. J'ai acheté du bain moussant comme ça de Gabi et les chats. Regardez-vous. Les chats. C'est du bain des bulles. Ça sent bon, hein? Oui. Fait que c'est ça, elle n'avait plus. Mousse. Je vais voir si elle... Oui, mousse. C'est de la mousse, mais pas tout de suite. Après, elle est soufflée. Mousse. Oh, il y a une mouche. Mais c'est pas grave, Eva. Je vais voir, Eva, elle a quand même la peau sensible. Dehors, la mouche. Elle a quand même la peau sensible, fait que je vais voir si ça y fait bien. Sinon, je vais juste le laisser de côté et en racheter un autre. Et j'ai acheté un petit shampoing comme ça aussi, deux en un, déménage facile, hypoallergène, parce que... Ah, il sent tellement bon. Ça sent l'orange et mangue. Et dans le fond, c'est la copie de L'Oréal Kids, mais de la marque Walmart. Et c'est juste parce que, c'est ça, elle commence à avoir des cheveux. Et je trouve que le savon qui fait tout, ça a plus lieu d'être. Là, elle a plus ses cheveux de bébé. Là, c'est vraiment rendu ses cheveux. Fait que j'ai décidé d'y acheter ça. J'ai acheté des petites brosses à dents comme ça pour Tom. Fait qu'il était tout petit, là, le bout. Là. Fait que il y en a 4. Ah, ils disent pour 4 ans et plus. Ça, c'est pour Thomas. Veux-tu te montrer ce que je t'ai acheté, toi? Pour Eva, j'ai acheté une brosse à dents électrique de Peppa Pig. C'est qui Peppa? C'est quoi qui fait le cochon? Allô? Je vais te l'ouvrir. Fait que c'est ça, Eva est rendue dans un clip qu'elle ne veut pas se brosser les dents. Fait qu'il y a une cliente l'autre fois qui m'a dit, mais pourquoi tu n'achètes pas une brosse à dents électrique? Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait qu'on va tester ça. Fait que voilà. Ça va être pour brosser tes dents comme maman avec la brosse à dents électrique. Fait qu'on va essayer ça. Là, il était vraiment pas cher. Là, il était 4-5$. Thomas, ça va? Fait que tu t'en vas, ça va là? Des cocos? Non. T'as déjà fait des cocos? Non. Et après ça, je me suis acheté de la pâte à dents Cresse 3D White. C'est ma préf. Et je me suis acheté un déo aussi. J'étais due. Et j'ai pris des probiotiques comme ça pour Thomas. Ça dit que ça l'aide à soutenir la santé gastro-intestinale parce que je trouve que Thomas, il a de la misère à digérer. Il se tortille beaucoup. Fait que je vais essayer ça, voir dans son lait si ça peut l'aider. Et j'ai acheté du polysporin parce que les enfants, puis l'été, ça se blesse. Puis après ça, j'ai trouvé ce petit jumpsuit-là que je trouvais vraiment cute pour dormir. J'étais à la recherche de pyjamas cute, mais comme confortable. En tout cas, fait qu'il est comme ça, le short. Non mais là, je trouve ça bien cute avec la petite corde ici. Puis le haut comme ça. Ouais, mets-le dans le plus, c'est pas grave. Fait que c'est ça, j'ai pris extra small parce que je voulais pas qu'il soit baggy sur moi. Là. Mais ouais, il est vraiment beau. Puis je suis pas contente. Fait que. Puis le tissu, c'est vraiment du spandex. Là, fait que c'est super extensible et super doux. J'ai acheté aussi des pommassons parce qu'à soir, je vais faire une compote de fraises. Et j'ai acheté des couches pour Eva. Fait que c'est pour ça que ça a coûté vraiment cher. Fait que là, je vais faire le décompte des enfants VS moi pour tout rebalancer dans la voie. Et on s'en reparle tantôt. Fait que Eva va se brosser les dents, hein? Est-ce que tu vas chercher ton bain? Oui. Pour te brosser les dents? Elle peut tester sa brosse à dents. Fait qu'à date, c'est un succès. Combien de temps ce succès va durer? Donc non. Bon.
OK. Avec ta brosse à dents Peppa. Regarde, là, ça va partir. T'as un peu ton fil, là. Déjà, ça part bien. OK. Là, maman va la partir. T'es prêt? Vas-y. Wow! T'es trop bonne! Va dans le fond de ta bouche. Thomas, t'es bonne? Tu fais-tu elle d'en haut? Et eux d'en haut. Non, bébé! Oh, c'est pas grave. OK! Oh! On brise les dents? Il s'en va, Titi Da. Chala. Tiens, c'est fait, champion. On dit, est-ce que tu donnes une tape à Thomas comme ça? Bravo, Thomas. Wouh! Bravo, Eva. Yay! On a brossé les dents de tout le monde ce soir. Ça a bien été. Non. Ça va-tu toujours bien aller comme ça, Eva? Non. Fait que là, tu veux-tu qu'on aille dans le bain? Non, ça. Tu veux-tu qu'on aille dans le bain avec la mousse? Non, ça. Ça, c'est à ton frère. Mais là, à sa place. Ah, Eva. Bon. OK, Tom, tu vas aller en bas. Fait que c'est ça, là je vais donner le bain aux enfants, ils ont fini de souper. Les dents sont brossées, fait que je vais aller chercher les pyjamas. Puis je vais les... je vais s'étoper ça. Oh, on dirait que c'est le bordel dans la maison. Genre, je fais du ménage depuis tantôt, puis il n'y a rien qui paraît. Il y a des journées de même. Fait que je vais aller chercher un pyjama. Eva, j'en ai pas de besoin. Fait que ça pour Tom, Eva sont là. Eva, couche à Eva. Excusez-moi quand je parle tout. La couche. Voilà. Fait que je pense que j'ai tout. Donc je m'apprête à donner le bain, ça va être fait. Fait qu'après ils vont être relax, puis je vais pouvoir clencher plein d'autres affaires. Donc, quelque chose qu'il faut que je vous parle. Non, bébé, fait que. Non. Quoi? Non, je donne les bains et on s'en rejoint. Bon matin! Mmh. Non. Mmh. Tu veux une fraise? Bon matin tout le monde et que je fais dur ce matin. Donc il est 7h, on est le lendemain, je vous ai pas reparlé hier comme d'habitude. Eva est en train de manger tout mon déjeuner. C'est bon hein? Et c'est ça, et je vous ai pas reparlé parce que comme d'hab je suis fatiguée puis j'ai rien fait. Et
Puis j'ai décidé de comme continuer mon vlog aujourd'hui, puis je vais conclure ce soir. Quoi? Petite maman. Quoi? Petite rouge. Là. Elle est pas rouge, elle est grosse. C'est maman qui la contrôle. Aujourd'hui, je travaille, mais c'est vraiment pas une grosse journée. Parce que c'est ça, en fin de journée, je monte dans un village voisin, à peu près à 20 minutes de chez nous. Je m'en vais me faire donner un soin facial. Ah! Fait que, ouais. J'ai décidé d'aller voir une autre esthéticienne. Parce que. Tu sais, oui, je peux m'en faire donner au salon. Oui, tellement. Oui, je peux m'en faire donner au salon, mais c'est pas. Ok, non, Eva, vraiment pas. Non, merci. T'es très gentille, par contre. Très gentille. Ça sera pas longtemps. C'est ça. Oui, je peux m'en faire donner au salon, mais c'est pas pareil. Là, j'ai envie de. J'ai envie de me gâter, puis c'est ça, de me faire analyser la peau par quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça, je vais me gâter avec un soin en fin de journée. Puis après, on va aller chercher Eva puis Thomas à la garderie. Puis après, on va où? Oh, je l'ai dit! Tu vas faire du cheerleading? Fait que c'est ça, on va aller au cheerleading. Fait que là, oui Thomas, je vais aller m'occuper de mon gars, je vous reviens! Hello! Je pense que ça shake un peu ici. Donc on est rendu mardi soir, il est 5h20. Je suis en route pour aller chercher les enfants à la garderie avant d'aller au cheerleading. Je sors de mon soin visage. Et ça l'a vraiment fait du bien, donc on peut voir ma peau est super belle, super glowy. Ouais, je l'adore. Ça a vraiment fait du bien, je suis vraiment contente, j'étais due pour une bonne exfoliation et tout. Fait que Nathalie, elle a fait ça pour moi. Très satisfaite, ça paraît que j'avais le teint un peu brouillé. Là. Ça paraissait que je ne prenais pas soin de moi, mais voilà. Là, maintenant, chose du passé, je vais maintenant entretenir ma peau et coordonner ma chaussée que je suis. J'avais de la misère à prendre le temps de mettre un facial dans mon horaire. Maintenant, c'est chose faite. Je suis très, très contente de ça. Donc, ma peau est full belle. Fait que je vais pouvoir juste mettre mes produits et enjoy le beau résultat. D'ailleurs, si vous êtes dû pour un facial, je vous le dis, remember, peu importe où vous habitez, textez votre esthéticienne, allez là-bas pour un bon soin visage, ça fait trop du bien avant les vacances. Je vous le dis, c'est tout. Fait que, c'est ça, là, je suis en route, comme je dis, pour aller chercher les enfants, et je m'en vais au cheerleading avec Eva et Thomas. J'étais arrêtée au Walmart, j'ai acheté un petit jouet comme ça, là. Cellulaire. Donc, ouais, j'ai acheté ça pour que je l'occupe un peu de Tom parce que il joue tout le temps sur mon téléphone. Puis, il faut que je l'occupe de plus en plus. Tu sais, excusez-moi, j'ai un coup de fatigue. C'est ça, il faut que je l'occupe de plus en plus parce qu'il commence à bouger puis à vouloir voir. C'est comme à vouloir toucher tout ce qu'il peut pas toucher autour de lui. Fait que là, j'ai acheté ça en espérant que ça fonctionne. J'ai aucune idée. Puis, c'est ça. Je vais être clairement en retard encore au trading. Classique, moi. J'étais à rebite, puis moi encore. Ouais. En tout cas, c'est pas grave. Fait que c'est ça. Après, je vais sûrement vous parler. Mathieu finit tard ce soir. Un peu déçu. Ouais, j'irai me coucher après un facial. Là. Ouais, un peu déçu qu'il finisse tard parce que. On dirait que.
sens, je filais pas pour être seule, mais bon. Et je vais faire la routine seule. Fait que j'ai acheté un repas déjà prêt aux enfants parce que j'arrive pas le temps de faire grand chose. Après, tu sais, comme quand on finit le cheerleading, ça va full vite, là. Ça go, là. Fait que des fois, j'ai même pas le temps de leur donner le bain, là. Ça dépend. Mais des fois, ça va trop vite. Fait que. Puis, ah oui, puis je voulais vous montrer, mais je sais pas si je les couche. Je parle dans le char. Full sécuritaire. Inquiétez-vous pas, mais je regarde vraiment la route, là. C'est que j'aurai pas le temps de vous parler rendu à la maison plus que ça. J'ai acheté un petit vernis à Eva. Et j'en avais sûrement, mais moi j'ai juste. C'est comme. Mes vernis à moi sont juste nudes parce que, tu sais, la mode avant c'était des rosés nudes. Fait que là, c'est ça. J'ai acheté un petit vernis. Je vais essayer de vous montrer. Hey, un haul dans le char. Déjà vu de quoi de. Bien, c'est ça, j'ai pris un petit mauve comme ça. Trop beau. Fait que je vais peut-être y mettre du vernis à soir si elle veut. Si elle collabore, là, je m'attends à ce qu'elle soit super fatiguée aussi. Fait que je sais pas si elle va vouloir. Mais si elle collabore, c'est sûr que je vais mettre du petit vernis. Bon, je vais arrêter de bailler. Puis je vais. Je vais mettre dedans pour le cheerleading. Fait que c'est ça, je vais vous laisser là-dessus, puis on s'en rejoindra tantôt! Quoi? Tout est correct? Ouais. Tu joues à la porte?